Coucou Nat, comment ça va? Voilà, on va attendre que tout le monde arrive tranquillement, s'installe. Donc pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez donc prendre un tapis et une chaise parce qu'on va utiliser un petit peu la chaise sur une petite séquence à un moment donné. Donc n'hésitez pas à préparer voilà, une petite un tapis, une chaise, une petite serviette également. Au cas où, ou un coussin, comme vous voulez, pour venir utiliser comme appui sur certaines petites séquences sous la tête. Voilà, coucou, ben, ça va très bien, ça va très bien, Nat. Et toi? Voilà, j'ai hâte de sortir un petit peu quand même, d'aller prendre un peu le soleil, d'aller faire une petite marche de 20 minutes, une demi-heure, ça va faire du bien. Coucou Sophie, comment ça va? Très matinal, 9h, ça va, 9h. Je suis levé depuis 6h, donc tu sais. On aurait pu faire une séquence à 6h20, 6h30, ça aurait été bon. Hein. Coucou Coco, coucou Pato, j'ai vu que tu étais là, voilà, ça fait plaisir. Coucou Céline, coucou Marie-Gabrielle, coucou Béa, tout ça. Coucou Nat. Bon, tu fais attention à ton genou, hein. Au 9h, un peu tôt, le soleil n'est pas encore sur la terrasse. Ah, désolé Céline, désolé, désolé. Alors moi, j'ai même pas de soleil, j'ai juste la fenêtre, mais qui donne sur des immeubles devant moi, donc tu vois, pas trop de soleil, mais bon, on fait avec, il y a pire. Coucou Katia, il faut que je te réponde à ton message, désolé, j'ai oublié. Coucou Kelly, Céline, il y a une séance de nouveau à 9h à 18h30, mais bon, je pense qu'il n'y aura plus le soleil, à mon avis, après. Coucou Jess, oh, bon, en tout cas, à mon avis, tu dois faire la sieste après, non? C'est ça? Alors moi en tout cas, j'espère faire une bonne petite sieste après. Donc voilà, pour ceux qui sont là, qui sont déjà en place, donc n'hésitez pas à prendre donc un tapis et une chaise. Coucou Jess, je te regarde en travaillant. Voilà, bah, comme ça, peut-être que ma voix te donnera un petit peu d'énergie pendant le travail. Voilà, j'espère que tu pourras refaire le refaire ce soir tranquillement. Coucou Sabine. Voilà, pour ceux, je sais pas s'il y en a qui étaient là au petit atelier hier, mais la semaine prochaine, il y aura deux ateliers le soir également. Bien-être. Un atelier mardi soir où avec un ami, on va fusionner un petit peu le yoga et le pilates. On va utiliser un petit peu les deux méthodes pour venir travailler dessus, sur une petite séquence d'une heure et quart, 1h30. Logiquement, ce sont les ateliers qu'on fait dehors. Mais bon, en ce moment, pas possible d'aller faire ça dehors. Donc on fera ça tranquillement. À la maison, sur Zoom, comme ça au moins on pourra également échanger à la fin de la séance. Et hier soir, j'avais fait un mini atelier avec Pilates plus méditation. Donc, on avait fait beaucoup de travail sur le tapis. Et ensuite, on avait fait une petite méditation et un petit tour de table sur la gestion un petit peu du stress. Donc, on essaiera de remettre ça en place, en changeant un petit peu de thématique pour venir travailler voilà, un petit peu différemment. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous allez bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, toujours à partager la séance après autour de vous, ça fait plaisir. Et merci pour toutes les donations que je reçois également, ça fait vraiment vraiment plaisir en ce moment un petit peu compliqué. Donc merci à vous. Voilà, allez, ce qu'on va faire, on va tranquillement démarrer tout de suite sur le tapis. On va démarrer sur un petit. Enfin, pas déjà, non, on va juste en fait déverrouiller un petit peu tranquillement les poignets ici. Donc, on peut se mettre les fesses sur les fesses au niveau des pieds, les genoux un petit peu écartés. Et on va déverrouiller un petit peu les poignets tranquillement, on va faire un petit déverrouillage. Parce que comme dit Sophie, c'est un peu matinal pour certaines personnes. On va prendre le temps dans l'autre sens de déverrouiller tranquillement. Petite rotation avec les cervicales également. Vous pouvez commencer déjà à inclure la respiration. Donc comme d'habitude, sur l'inspiration, le vent se gonfle naturellement. On change de sens. À la fin de l'inspiration, engagement du périnée, comme si on tournait de faire pipi, comme si on voulait vraiment démarrer d'en bas pour faire remonter vers le haut. Et vous expirez, vous videz tout l'air de vos poumons. En expirant la bouche grande ouverte, comme si vous avez cette envie de faire de la buée, par exemple, contre une vitre. Et sur le côté. Et en haut en bas.
vers soleil, vers le haut. Et ensuite, quand je rentre vers le bas, j'essaie de rentrer le menton vers moi pour revenir augmenter l'espace entre les cervicales. On va vers l'axe et petite rotation. On vient poser les mains sur les épaules et sur l'expiration, on va chercher derrière ces omoplates. On inspire, on ramène les coudes devant. J'inspire, je monte les coudes devant moi. J'expire, je vais tirer les coudes vers l'arrière, on va serrer les omoplates. J'inspire, je ramène dans l'axe. J'essaie de toujours garder les épaules basses, de ne pas contracter les cervicales, d'accord? De monter les coudes vers le haut en gardant les épaules, les omoplates fixées dans le dos. N'hésitez pas à envoyer un petit message pour vous dire si vous m'entendez bien. Au niveau de la voix, ou si vous voulez que je parle un peu plus fort, d'accord? N'hésitez pas à me le dire. Et je relâche. Je reste dans cette position, je pars avec les paumes de main ouvertes vers l'extérieur, épaules basses. Sur l'expiration, j'expire, je pousse comme si je voulais repousser un mur qui viendrait s'écraser sur moi. Et j'inspire, je ramène tout doucement. J'expire, je pousse. J'inspire, je ramène. N'hésitez pas à me faire des remarques aussi sur ma coupe de cheveux qui commence à partir en couille totalement. Vu qu'il n'y a plus de coiffeur. Alors est-ce que je continue à laisser pousser, comme sur la photo que j'ai mis hier, ou est-ce que je rase intégralement? J'hésite, je suis terraillé entre les deux. Allez, j'expire, je pousse, et j'essaie vraiment d'ouvrir mes doigts au maximum et de pousser avec mes paumes de main. Encore deux fois. Dernière. Et je reste ici dans cette position quelques secondes. Je garde les épaules basses, le menton rentré. J'essaie de ramener la queue du chat vers moi, vers le haut pour venir allonger ma colonne vertébrale. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche, je viens étirer un petit peu derrière. Je viens croiser les mains, pouces qui se touchent. Et je monte les mains vers le haut pour venir ouvrir un petit peu l'avant des épaules. On va prendre le temps de bien s'échauffer. Vous allez voir, après, ça va être assez costaud la séance aujourd'hui. Ici, je pars. Donc, paume de main, doigt vers l'extérieur. Je me remets de face pour que vous voyez bien. Et j'expire, je pousse vers le haut. On cherche un auto-grandissement au niveau de la colonne vertébrale. Et j'inspire, je descends. Et je ramène les coudes dans l'axe de mes côtes. J'expire, je pousse comme si je tenais un grand plateau. Au niveau de mes mains, entre mes mains. Voilà, j'inspire, je descends. Et imaginez que ce plateau est très très lourd et que vous avez envie de le repousser vers le haut. Encore deux fois. Une. Et je relâche. Tout doucement, je vais me placer en position 4 pattes physiologique de casquette, c'est-à-dire main en avant de l'axe des épaules, bassin en arrière de l'axe des genoux. Objectif, attention à ne pas creuser, à ne pas non plus faire un dos rond. On essaie de vraiment d'allonger notre colonne vertébrale. On a les pieds à plat pour le moment et on imagine que quelqu'un vient de me repousser sur la tête. Vraiment, il faut vraiment imaginer que le coccyx tire vers l'arrière, que quelqu'un vient de me repousser vers l'avant. Et dans cette position, vous allez juste respirer quelques secondes, prendre quelques cycles de respiration, en vraiment en engageant le périnée entre chaque inspire et chaque expire. J'inspire, le ventre se gonfle naturellement, activation du périnée, queue du chat tirée entre le coccyx, entre le bassin, j'expire, je pousse. Avec mes mains dans le sol, j'essaie de repousser, d'imaginer quelqu'un vient de repousser sur la tête. Tout est tonique, soit hyper actif. On ne dirait pas, mais c'est déjà costaud comme position si on le fait bien. Encore deux cycles de respiration, rentrez les épaules vers l'arrière, les omoplates qui se regardent.
Petite rotation interne au niveau des coudes. Dernier cycle de respiration. Maintenant sur l'expiration, j'expire, je viens emmener le poids du corps vers l'avant, passer par-dessus le poignet, j'inspire, je ramène en arrière. Je fais un transfert de avant vers l'avant et vers l'arrière. Donc j'expire, je tire sur mes bras, je passe devant, j'inspire, je ramène en arrière. Toujours en gardant les bras tendus. Trois fois. Deux. Un. Je reste dans cette position et je viens me mettre en appui sur mes orteils. Et tout de suite, je viens soulever mes genoux du sol et rester dans cette position quelques secondes. Alors vous allez voir, ça va déjà engager un petit peu les cuisses, ça va commencer un petit peu à brûler. Mettez bien vous solide sur les appuis, vos orteils, il y a peut-être un petit tirement au niveau de la voûte plantaire, au niveau des pieds. Au niveau des muscles de votre pied, vous devez résister. J'expire, je pousse sur mes jambes et je passe en gainage bras tendus. Quelques secondes également. Avec les mains dans l'axe des poignets. Avec les mains, excusez-moi, dans l'axe des coudes et l'axe à l'aplomb des épaules. J'inspire, je reviens en arrière, je ne pose pas les genoux au sol. Je reste encore en appui ici. Et j'expire, je repousse de nouveau. Poussez avec les talons vers le bas, cherchez à vous allonger, à vous agrandir de la tête jusqu'aux pieds. En ayant envie de sortir la tête des épaules comme si vous étiez une tortue et de pousser avec les talons vers le bas. J'inspire, je ramène. Dernière petite séquence ici. Encore 5 secondes dans cette position. 4, 3, 2, 1. J'expire, je pousse et je tiens encore 15 secondes ici. Cinq, quatre, trois, deux, un. Je remets en arrière. Je dépose mes fesses sur mes pieds. Et je viens passer en petite posture de l'enfant quelques secondes. Récupérez un petit peu dans cette position. Ça va, tout le monde m'entend bien? C'est bon? N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire. Et je viens de nouveau remonter en position 4 pattes physiologique avec mes bras. Donc je viens sortir la tête de mes épaules, bras tendus, mains bien ouvertes au sol. Et sur l'expiration, je viens expirer, tirer avec mes bras comme si je faisais une traction en utilisant les muscles dans mon dos. Et là, on va faire de façon plus dynamique. On va expirer, pousser, inspirer, descendre. Expirer, pousser, inspirer, ramener en arrière. D'accord? Tout en gardant le dos bien placé. Allez, c'est parti. J'expire, je pousse sur mes jambes. J'inspire, je fléchis mes genoux. J'expire, je pousse. Encore 6 répétitions, on ne lâche pas. 5. 4. 3, 2, 1, dernière, et je ramène, je pose les genoux au sol, je repasse en petite posture de l'enfant, quelques secondes, je vous fais un petit peu, n'hésitez pas à voir si vous avez besoin, concentrez-vous sur votre respiration, vous faites descendre un petit peu la fréquence cardiaque. Et de cette position, on va de nouveau tirer sur les bras, faire une traction, se remettre en position physiologique, ici. Et là, on va venir expirer, tendre un bras et une jambe. Et on va essayer de descendre en gardant la jambe et le bras tendu, le bassin vers l'arrière, comme si on voulait déposer la fesse droite sur le talon droit, le plus haut possible. Vous allez voir, c'est de plus en plus difficile au niveau du maintien. Cherchez à vous agrandir, à allonger le bras, à pousser le talon vers l'arrière, encore 15 secondes. Continuez à prendre conscience de votre respiration.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'expire, je remonte et je repose ma main et mon genou. Je me remets en place si j'ai besoin. Et je change de côté. J'expire, je tends la jambe droite et le bras gauche. Et pareil, je peux essayer de venir descendre mon fessier du côté gauche sur mon talon. En tout cas, de faire l'action de venir descendre. Gardez bien la jambe tendue. Ne montez pas trop, sinon vous allez avoir tendance à creuser le bas du dos. Le but, c'est de garder de la longueur du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Continuez à sortir la tête, à repousser le sol avec la main droite. 15 secondes. 10. 5. 4. 3. 2. 1. J'expire, je pousse ma jambe. Et je viens de nouveau étirer mon dos. Relâchez un petit peu mes cuisses. En petite posture d'enfant. N'hésitez pas à poser la tête. À poser, entre les mains. La tête sur le front. De nouveau, je tends les bras sur mon tapis. J'expire. Je tire et je viens me placer si possible. Soit en fait sur le coude, soit bras tendus, paume de main vers l'intérieur, doigt vers l'intérieur. J'expire, je pousse et je passe en gainage latéral. J'essaie de créer de l'espace entre le bassin, entre ma taille et le tapis. Le but, c'est de ne pas être ici avachi. C'est vraiment de chercher à s'agrandir et de garder les deux épines iliaques dans l'axe. Et pour ceux qui veulent rajouter pas mal de difficultés, on peut lever la jambe intérieure. Voilà, super ça. Allez, ça c'est très très difficile. C'est vraiment pas obligatoire. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On pose le pied et on change de côté. Désolé, je ne vois plus, je vous montre mes fesses. Et au moins j'enchaîne. Je fais l'enchaînement avec vous. Pareil, on peut se lever la jambe du dessous. Encore 10 secondes. Gardez bien les deux épines iliaques dans l'axe. Poussez avec votre bras. 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens dans l'axe. Je reste bras tendu ici. Et je vais ramener le genou droit vers moi. Et sur l'expiration, j'essaie de tourner le genou sur le côté, sans bouger le reste du corps. J'expire, j'ouvre le genou. J'inspire, je ramène. On fait 6 mouvements de chaque côté. 3. 4, 5 et 6. Je retends la jambe droite au sol. Je repositionne bien mes mains dans l'axe à l'avant de mes épaules. Je change de côté. J'expire, je monte le genou gauche sur le côté sans bouger l'axe de mon bassin. 2, 3, 4, 5. Et 6. Je tends et je viens récupérer quelques secondes. Souffle un petit peu. Et après, on va venir s'installer sur le dos. Donc pour venir s'installer sur le dos, pour éviter de créer une hyperpression, et donc d'avoir le ventre qui sort, et donc d'augmenter la pression sur le plancher pelvien, on essaie de descendre sur le côté. Donc pour ceci, on pose le coude, la main, on vient faire coulisser, et on descend s'installer tout doucement. Et ici, vous connaissez bien, ça fait 10 jours, 2 semaines que vous travaillez comme ça en vidéo, et avec moi, ça fait des années. On place le bassin auto-agrandissement, on prend. Donc le bassin au niveau des épines iliaques avec les pouces et sur l'expiration on pousse dans l'avant pour venir placer le bassin en auto-agrandissement. On soulève la tête, on tire la tête en arrière au niveau de deux petits trous qu'on avait à l'arrière du sommet du crâne, on tire et on pose. Là tout de suite déjà on est ici avec un bon placement, avec un auto-agrandissement et déjà avec une gaine abdominale qui est active. Et une fois qu'on est en place ici, on garde les bras le long du corps, on expire, on lève une jambe à 90 degrés. On bloque, on expire, on monte la deuxième. On bloque. Et on expire, on va essayer de tendre les jambes vers le ciel et tenir 30 secondes dans cette position.
Pour démarrer, allez, c'est parti. Voilà, activez vos cuisses, vos quadriceps au maximum. Si c'est trop dur, vous pouvez rester dans cette position, c'est déjà très bien. Ou alors, par exemple, travaillez avec une jambe tendue quelques secondes et alternez les deux sur chaque cycle de respiration. Encore 15. Cinq, quatre, trois, deux, un, je ramène. Je récupère quelques secondes, je vais ramener mes talons au niveau de mes fessiers et les cuisses en direction de mon ventre. Je remets mes jambes à 80 degrés, bras le long du corps et tout de suite. Donc je vous montre, vu qu'aujourd'hui c'est un petit peu un niveau intermédiaire avancé, on va essayer de démarrer directement avec extension des deux jambes. Si on n'arrive pas, vous pouvez juste faire expirer tendre une jambe, inspirer, vous ramener. Le but c'est toujours de travailler en qualité. Donc j'essaie d'aller un peu plus loin, mais si vous n'y arrivez pas, vous revenez sur quelque chose de plus simple que je vous montre. Donc là j'expire, je tends les deux jambes, j'inspire, je ramène. C'est parti. Et j'essaie de toujours calquer le mouvement sur ma respiration. On va faire ici 3 séries de 8 répétitions. Et à chaque fois, on va essayer de descendre un petit peu d'amplitude au niveau des jambes, de faire de l'extension avec les jambes, les pieds un peu plus bas. Encore 2 mouvements. Dernière. Et on ramène quelques secondes ici. Donc là, même mouvement. Et si on peut, on descend les pieds un tout petit peu plus bas. Par contre, on continue toujours à mettre une belle activation au niveau des quadriceps. Ok, pour finir l'extension du genou. Et on démarre toujours le mouvement avec l'activation du périnée. Donc j'expire, je tends, j'inspire, je ramène. Et j'essaie de bien calquer le mouvement sur ma respiration. Attention, c'est parti. Et d'avoir toujours le même tempo entre l'inspiration et l'expiration. Ça fait 4, 3, 2, 1, et je ramène, petite récupération ici, comme tout à l'heure, 10-15 secondes, et on va faire une troisième série, on va essayer de descendre les pieds un peu plus bas encore, d'accord? Si ça devient trop difficile, vous restez, vous passez sur une jambe. L'extension d'une jambe, un côté et l'autre. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Pensez à garder un tempo régulier entre l'inspire et l'expire. 5. 6. 7. Et 8. Et je ramène quelques secondes également. Comment ça va? Tout le monde m'entend bien? C'est bon toujours? N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas bien, à envoyer un petit message. Et là, deux niveaux de difficulté. J'aimerais que vous essayiez de faire le mouvement jambes tendues. Expirez, je descends. J'inspire, je bloque en bas. J'expire, je remonte. J'inspire, je bloque en haut. Et pareil un peu de l'autre côté. Niveau plus facile. Je fais la même chose, le mouvement part du bassin,
de la hanche, mais je garde les genoux légèrement fléchis. Donc j'expire, je descends. J'inspire, je bloque en bas. J'expire, je remonte. Donc les mouvements se font seulement sur les expirations et en statique sur l'inspiration. Ok? Allez, on se met en place. 3, 2, 1. Non, les pieds sont pas joints, les pieds sont largement bas, ça, Delphine. C'est parti. J'expire, je descends. J'inspire, je bloque en bas. J'expire, je remonte. J'inspire, je bloque en haut. Et je change de côté. J'inspire, je bloque en bas. J'expire, je remonte. J'inspire, je bloque. J'expire, je remonte. J'inspire, je bloque en haut. Encore un mouvement de chaque côté, on ne lâche pas. Gardez bien les jambes tendues. Activez bien votre quadriceps. Allez, je sais que ça commence à être dur. Là, on s'accroche. C'est trop difficile, on passe. Les genoux fléchis, on n'hésite pas. Et j'inspire, je ramène. Quelques secondes. Soufflez. On continue à bien relâcher un petit peu le bas du dos. En ayant les pieds dans l'axe des fessiers. On va bien se redresser en prenant donc l'arrière du genou droit avec les mains droites et on vient se positionner tout de suite en équilibre fessier. Allez, c'est parti. Pieds dans l'axe des genoux. Main sur le côté. On essaie de garder le dos bien droit en cherchant à s'agrandir au maximum. On va faire une première série comme ça et après on va rajouter quelques petites difficultés. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche quelques secondes. Je peux venir chercher à remettre mon dos bien en place en cherchant l'auto-agrandissement maximal. Et là, on va venir soutenir donc soit les mollets, si on a les bras un petit peu courts, soit on va essayer d'accrocher le bas des mollets. On essaie de garder le dos bien droit, bien à plat. Enfin, le but, c'est de pencher un petit peu en arrière, hein, c'est normal. Mais en tout cas, de ne pas avoir le dos rond. On essaie de chercher une belle longueur. Et là, sur l'expiration, on va expirer. C'est de tendre les jambes vers le haut. Inspirer. Ramener. Expirer. Tendre. Inspirer. Ramener. Allez, c'est parti. J'essaie d'avoir le mouvement le plus fluide possible. Allez, on essaie de faire encore 5 fois. Je sais que c'est pas facile. Pour même pour tenir en équilibre. Regardez, essayez de finir l'extension des genoux. Encore 4. 3. 2. Allez, c'est bien, ne lâchez pas. 1. Et je relâche quelques secondes. Super. Allez, pensez à venir replacer un petit peu votre dos. Essayez de vous agrandir en crochetant donc les genoux avec vos coudes. Et dernier exercice ici, on va de nouveau tendre les jambes. Et on va essayer de garder les jambes tendues pendant 20 secondes. Ok? Oui, Céline, tu peux rester sans tendre les jambes, hein, comme on a fait là. Tu peux rester ici, il n'y a pas de souci. Alors tu peux venir, toi, expirer, tendre une jambe vers l'avant. Inspirer, ramener. Et alterner droite et gauche. D'accord? Tu fais ça, Céline, pour la prochaine séquence et pour ceux qui n'arrivent pas. Pour les autres, on essaie. 3. Donc, soit ici, je peux tenir quelques secondes et je change, je vous dirai quand. Soit, on essaie de tendre les jambes vers le haut et de tenir dans cette position. 3, 2, 1, c'est parti.
Cherchez à garder le dos le plus droit possible. Tendez bien vos jambes, serrez les quadriceps. Engagez votre périnée. Pour ceux qui font une jambe, alternez maintenant. Il reste encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Et je viens récupérer quelques secondes. Ça va, Salim, t'as réussi avec une jambe, tendu une jambe. N'hésitez pas peut-être à vous filmer de temps en temps, si vous voulez. Après, on m'envoie des vidéos comme ça. J'essaie de vous corriger également sur certaines postures. Parce que c'est vrai que sur Facebook, on peut pas voir malheureusement ce que vous faites. Alors, j'ai donné des variantes, mais c'est pas forcément tout le temps facile. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va venir prendre la chaise. Quelques secondes. On va renforcer un petit peu vos bras. Est-ce que tout le monde ça va? N'hésitez pas, prenez 30 secondes pour boire, tranquillement. Salut Greg, bienvenue. Et on va se positionner sur la chaise, au bord de la chaise, ici. Donc bras tendus, épaules engagées, épaules basses. Attention à ne pas avoir les épaules qui montent, on essaie de garder les épaules basses. Soit jambes tendues, plus difficile, soit jambes fléchies avec les talons dans l'axe des genoux, un peu plus simple. Ok ? Et là, ce qu'on va faire, on va inspirer, fléchir les coudes, contrôler la descente tout doucement, le regard droit devant, expirer, remonter. Et on va essayer de faire 15, 12 et 10 répétitions, donc 3 séries ici. Donc attention, ça va être assez costaud. Allez, c'est parti, j'inspire, je descends. J'expire, je remonte. On essaie de descendre en 2 secondes et de remonter en 1. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok ? Ce tempo-là. Allez, on est à 5 répétitions. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, encore 3, 13, 14 et 15. Je viens m'asseoir quelques secondes. Donc là, vous devez sentir les triceps et vos épaules travailler. Hein, d'accord ? Alors, on peut bouger un petit peu les bras sur les côtés. Ça va, Manon ? Hein ? Toi qui as fait ma petite séquence de 12 minutes hier, qui en a chié sur ma chaîne YouTube. Allez, on se remet en place et on essaie de faire 12 répétitions. D'accord ? Allez, j'inspire, je descends. J'expire, je remonte. 1, 2, 3. Donc n'oubliez pas, jambes tendues plus difficile, jambes fléchies plus facile, ok ? 5, 6. 7, 8, encore 4, 3, 2, 1, et je relâche quelques secondes. Je continue un petit peu à bouger mes bras. Je récupère un petit peu, je souffle. Et dernière séquence. On va en faire 10 là, d'accord ? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, dernière. 1, 2, 3, 4. N'oublie pas, on inspire, on descend. Activation du périnée, sera remontée entre l'inspire et l'expire. 6, 7, 8, 9. Et 10. Et je relâche. Je récupère un petit peu. Je peux venir étirer mes épaules en mettant les mains sur la chaise. Dans cette position, petit poste de l'enfant avec surélévation des bras pour venir ouvrir un petit peu les épaules. Restez ici quelques secondes. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de musique. Une petite chanson que Harmony m'a fait découvrir ce matin qui s'appelle Ramadasa.
Si vous là, si ça vous kiffe, si vous kiffez, vous me demandez, je vous envoie le son. On vient expirer, tirer sur les bras, se redresser et se positionner, bras tendus en gainage sur la chaise. Et on reste dans cette position. Pour ceux qui veulent augmenter les difficultés, on inspire, on descend et on repousse. On continue à travailler un petit peu les bras. Voilà, c'est la petite séquence core training avec activation des bras. Deux. On descend un tout petit peu. Trois. On essaie d'en faire 12 là. On va faire 12, 10 et 8 pour ceux qui veulent. Sinon, vous restez soit au gainage classique, et vous pouvez de temps en temps lever une jambe, ou soit faire une petite montée de genoux pour augmenter la difficulté, ok? Allez, on est à 7. 8. 9. 10. On inspire, on descend. On expire, on pousse. 11. Et 12. On récupère quelques secondes, vous pouvez repasser ici dans cette position. Allez, on lâche pas, on reste bien concentré, hein, d'accord? Là, on va faire 10 répétitions, soit vous restez. Sinon, niveau moindre, vous faites ça. J'inspire, je monte. Là, le genou vers soi, j'expire, je redescends. Vous alternez droite et gauche, ok? Allez, on se remet en place. 3, 2, 1. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. 1, 2. 3, 4, 5, allez, ne lâchez pas, restez bien concentré. 6, cherchez toujours la longueur des pieds jusqu'à la tête. 7, 8, 9, les coudes qui restent dans l'axe sont en descente. 10, on récupère quelques secondes. Allez, c'est bien, j'en suis sûr que c'est bien ce que vous faites, hein, ne lâchez pas. 8. Et dernière séquence, on passe à 8. Pour les gens qui ne peuvent pas, juste petit soulevé de jambes rapide, droite et gauche. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8, et je viens me repositionner une dernière fois. Les mains sur la chaise pour venir tirer un petit peu les épaules. Pour lâcher le dos. Je vous laisse 20 secondes pour voir si vous voulez. Et on va venir se repositionner en équilibre sur les fessiers. Allez, il nous reste 10 bonnes minutes de travail là. Ne lâchez pas. Ça va, tout le monde va bien? C'est bon? Allez. On remet le dos bien droit ici. On va de nouveau soulever les pieds, mettre les bras tendus. Et là, on va expirer, tendre les jambes à l'arrière, basculer le dos, dérouler la colonne vertébrale, poser le coccyx et lombaire, inspirer, ramener, remonter. J'expire, je descends tout doucement. J'inspire, je remonte. 3. 4. Si c'est trop difficile, vous restez ici. Et vous faites juste des extensions de jambes. 5. Ou alors des petits mouvements de bras vers le haut sur l'expiration. Encore 2 mouvements. 7. Et 8, et j'inspire, je remonte. Et je viens repositionner mes pieds au sol. Et je viens de nouveau étirer un petit peu mon dos. Et là, on va expirer, redescendre les jambes tendues, redescendre le dos, dérouler la colonne vertébrale, coccyx, lombaire, dorsale, et rester dans la position pendant 20 secondes. Ok, 3, 2, 1. J'expire, je descends, je déroule tout doucement, le regard au devant, les épaules tirées en arrière. Et je bloque. Ceux qui veulent augmenter les difficultés, on peut tendre les bras derrière. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, et je déroule tout doucement mon dos et ma tête au sol. Pour ton agrandissement, j'expire, je monte les bassins et les fesses vers le ciel en poussant avec les talons et en ramenant la pointe de pied vers moi. Vers soi. Je monte les bras ici et j'imagine que je tiens un gros ballon entre les mains que je viens serrer sur l'expiration. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends tout doucement. Je récupère un peu et je viens de nouveau faire coulisser les pieds sur le tapis, ramener le pied droit à côté du genou gauche et faire la même chose du côté opposé. Je replace mon bassin, je m'avance un petit peu. Je replace mon bassin en auto-agrandissement. Ma tête également. Et là, on va passer sur une dernière séquence qui va durer environ 4 minutes. Vous pouvez récupérer quand vous voulez. D'accord, n'hésitez pas. Ça devient trop difficile. Vous reposez le dos au sol. Vous reprenez conscience de votre respiration. Et ensuite, vous vous remettez en place. Allez. Ici, on est bien placé. On expire, on monte une jambe. On inspire en bloc, on expire, on monte la deuxième et on place les deux mains contre les genoux. Et là, sur l'expiration, avec les mains, je pousse contre les genoux comme si je poussais dans un mur. Et les genoux, je les pousse vers moi. Je réalise une contre-résistance. Toujours pareil, il n'y a pas de mouvement, donc vous prenez bien conscience de votre respiration. Faites un scan du positionnement des différentes chaînes articulaires. Est-ce que j'ai la tête bien placée? Est-ce que j'ai mes épaules bien placées? Est-ce que mon bassin est bien auto-agrandissement? Et si à ce moment-là c'est bon, c'est OK, on produit la contre-résistance. Encore deux cycles de respiration. Et je viens placer mes mains sous la tête, avec les coudes ouverts. Et là, on va juste soulever la tête vers le haut, soulever les jambes, les épaules, les coudes. Et sur l'expiration, on va expirer et pousser avec la tête vers le bas, en réalisant une contre-résistance, sans bouger le reste du corps. On essaie vraiment de garder la longueur entre le pubis et la tête. Et sur l'expiration, pousser bien avec la tête vers le bas et pousser avec les mains vers le haut. Dernier cycle de respiration ici. Je passe mes bras tendus. J'expire, je tends un petit battement. J'inspire, je ramène. C'est trop difficile, vous pouvez garder les deux genoux à 90 degrés. D'accord? Pas un souci. Encore 20 secondes dans cette position. Si vous avez mal à la tête ou cervicale, vous pouvez déposer également la tête au sol. 10 secondes. Dernier mouvement. Je ramène mes mains derrière la tête. J'expire, je réalise la contre-résistance avec la tête et je tends une jambe. Et je la tiens tendue pendant 20 secondes. J'expire, je change de côté. J'inspire, je ramène, je replace mes bras tendus. Petit battement, je tends les jambes et je reste dans cette position pendant 20 secondes. Gardez bien les épaules basses, sentez que le mouvement part des épaules. 10 secondes, j'essaie de descendre encore les jambes si je peux tenir. 5, 4, 3, 2, 1, je ramène, je bascule sur le côté.
et je passe en gainage ventral pendant 1 minute. Allez, c'est parti. Dernière minute de travail. Ne lâchez pas. Restez bien concentré. Ça va être difficile. Vous posez les genoux au sol quelques secondes. Poussez bien avec les talons vers l'arrière. Ressentez bien la tête, votre colonne vertébrale. Au sol qui va rajouter à l'expirer, on expire, on tend les bras, on inspire, on redescend. Encore 30 secondes. Allez, ne lâchez pas, jusqu'au bout. 15. 10. 5. 4, 3, 2, 1, et on vient s'allonger tout doucement sur le ventre. Et on vient poser quelques secondes les mains, la tête sur le front. Soufflez. Récupérez, bien fermez les yeux quelques secondes. Sentez le ventre qui se gonfle sur le tapis. Et sentez donc l'espace du dos qui s'ouvre. Et on va venir tout doucement positionner les mains dans l'axe des épaules. Ici. Les pieds bien ancrés dans le sol. Et sur l'expiration, on va expirer, pousser en regardant les épaules basses, redresser le regard, rentrer les épaules vers l'arrière, emmener la queue du chat vers soi, coccyx engagé, et on tient 15 secondes ici. Pour venir étirer un petit peu la chaîne antérieure et faire une belle extension au niveau du dos. Et je pousse sur mes bras. Je viens me passer en quatre pattes. Je viens ramener le genou droit un petit peu vers moi et poser l'avant-bras droit au sol. Et je viens faire passer le bras gauche entre les deux. Et je viens poser ma tête proche de mon épaule. Tire le bras, je ramène, je positionne les deux bras et je repousse. Je ramène le genou droit vers l'arrière, je remonte le genou gauche vers le coude gauche, je fléchis le coude gauche à 80 degrés, je place le bras droit entre les deux. Et je pose ma tête délicatement au-dessus de mon épaule droite. Le bras, j'en mets tout doucement, je pousse et je viens descendre sur le côté pour venir étirer tout doucement le dos. On va ramener les deux pieds contre, enfin les deux talons contre les fesses. On va basculer un petit peu les genoux de droite de part et d'autre, de droite à gauche. Et positionner le pied gauche au sol, ramener le genou droit vers soi, prendre l'arrière du genou avec les deux mains et expirer, tendre le pied vers le haut. Essayez de garder la jambe tendue au maximum, s'il y en a qui peuvent monter plus haut, vous pouvez, mais gardez bien les épaules et la tête au sol.
expire, je descends tout doucement. Et je change de côté. Je ramène le genou gauche très proche de mon buste. J'expire, je tends. Allez, restez dans la position. Bisous d'âge, passez une bonne journée. Direction du ventre, et sur l'expiration, on va écarter un petit peu les bras, expirer, descendre les deux genoux sur le côté en faisant une torsion. Et si on peut, on rajoute un petit étirement en tendant la jambe du sol, la jambe du dessus. Si vous avez les épaules qui sont en l'air, essayez de descendre un petit peu les bras. Et évitez d'avoir les épaules en suspension. La jambe tout doucement et sur l'expiration je vais basculer du côté opposé. J'expire, je démarre le mouvement en montant le genou droit, le genou gauche suit tout doucement, on pose le genou droit au sol, genou gauche, on baisse les bras si besoin et on tend la jambe gauche si on peut au sol. La main gauche, je viens positionner la main gauche à côté de mon épaule droite, je pousse et je me redresse. Je viens me mettre les genoux au sol, les pieds sur les fesses sur les pieds, je viens étirer un petit peu les épaules ici. Je change de côté. Un petit peu les triceps, on passe le bras droit derrière la tête, poser la main droite entre les omoplates et avec la main gauche, on vient pousser la main, le coude gauche vers le bas. Gardez bien le dos bien placé pendant ton agrandissement, n'hésite pas à repousser avec la tête vers l'arrière. Je change de côté. Inspiration, le ventre se gonfle naturellement. 2-3 cycles comme ça, pour faire descendre un petit peu la fréquence cardiaque, pour bien réoxygéner tout le corps. Sentez l'air entrer dans vos narines et oxygéner toutes les parties de votre corps. Dernière fois. Je vous remercie. Merci à tous de m'avoir suivi, comme toujours. N'hésitez pas, voilà, comme d'habitude, à me faire un petit retour. Profitez bien donc, de votre journée. N'hésitez pas à partager voilà, sur vos murs avec vos amis. Petite séance. Donc aujourd'hui, un petit peu séance un petit peu plus dynamique, un peu plus compliquée. Mais voilà, à chaque fois, j'essaie de mettre des petites variantes. Donc n'hésitez pas à utiliser les variantes ou en tout cas à les mettre en place. C'est important de toujours travailler de façon qualitative. On n'est pas là pour faire des choses extraordinaires, on est là pour bien les faire et travailler en profondeur. Donc voilà Béa, heureusement qu'il y a la sieste. Ouais, je suis d'accord avec toi, heureusement qu'il y a, la sieste. Je vais essayer de la faire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie du fond du cœur et je vous tiens au courant donc, pour les prochaines séquences. Ce soir, il y a un petit stretching à 2 à 18h30. Devant live et pour la semaine prochaine il y aura aussi 3-4 cours dans la semaine plus 2 sessions
le soir avec donc des petits ateliers. Hop, le prochain direct, c'est ce soir 18h30 à Street Chengdu. Mais après, ça sera pas avant lundi ou mardi sinon. Je vous fais de gros gros bisous. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous.